Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo courrier et je vais vous faire une carte en même temps. Voilà, courrier, voilà, j'ai reçu une petite enveloppe rouge de Laurence qui fait des découpes de Gorgus, voilà. Et je lui avais dit que j'adorais ses découpes. Et elle m'avait proposé, m'avait demandé si j'étais intéressée d'en avoir. Donc, j'avais dit oui. Et elle m'en a envoyé. Donc, j'ai juste ouvert l'enveloppe. Je n'ai pas encore regardé dedans. Enfin, j'ai juste fait comme ça. Donc, je vais les découvrir avec vous. Et ensuite, ben, on fera une carte avec... avec une Gorgus, voilà, ça changera. Alors, donc comme j'avais dit, la carte vient de Laurence. Bon, je ne dis pas son nom de famille, hein, mais... Alors, d'abord, elle m'a mis une petite carte qu'elle a faite elle-même. Et voilà, justement avec une Gorgus. Très jolie. J'adore, elle est trop trop belle. Donc, elle me dit, voilà, Gorgus, tu pourras en mettre sur tes créations. Bon scrap. Et avec plaisir que je te les envoie. Bisous, Laurence. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est très, très gentil. Et je suis super contente. Donc, voilà. Alors, on a mis plusieurs. Donc, on va les découvrir ensemble. J'aime bien le washi qu'elle a mis. Regardez, avec des rouges à lèvres. Donc, on va essayer de ne pas l'abîmer. Le washi, comme ça je pourrais le récupérer. Un petit peu de bruit. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Il y en a beaucoup. La première. Voilà. Toute mignonne. La deuxième. Bien ici. La troisième. La quatrième avec son petit pingouin. Elles sont vraiment toutes très belles. Là, avec son petit nounours, son petit ours blanc. Et la dernière aussi avec son petit ours blanc. Voilà, elles sont super jolies. Merci, merci beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup. C'est très gentil de ta part, Laurence. Donc, encore un grand merci. Je te fais plein de gros bisous. Donc, on va faire une carte avec une des Gorgus. Alors, je vais choisir laquelle. Alors, je vais choisir laquelle. Celle-ci, peut-être ? Attendez, je vais choisir celle-ci. Voilà, je vais faire une carte avec celle-ci. Je vais remettre les autres dans le sachet pour pas qu'elles s'abîment. Voilà. Je suis très contente. Voilà, mettre bien en place avec ta carte. Et donc, je vais faire sur une carte 15-15. Donc, les 15-15 couleurs, il ne me reste plus grand-chose. Enfin, s'il doit m'en rester. Voilà, c'est les 15-15. Le stock commence à diminuer.
Alors là, j'ai quelle couleur? Non, ben, je vais faire celle-là. Je vais faire avec cette rose-là. Voilà. Bon, je vais préparer ce dont j'ai besoin. Et ben, je vais me servir en même temps de... Je pense que ça devrait aller. Oui. Alors, celles qui ont vu la précédente vidéo sur l'opercule, comment, le recyclage de l'opercule de la boîte de tabac, dans la vidéo, je vous montrais également le recyclage des opercules de boîte de crème fraîche ou de boîte de fromage blanc. Voilà ce que ça donnait, hein, c'est celui que je vous faisais dans la vidéo. Donc à la base, voilà, parce que j'en ai un autre, à la base c'est ça, hein, voilà. Et quand on passe avec un classeur d'embossage dans la Big Shot, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc je vais me servir de celui-là aujourd'hui bah, pour faire ma carte. Voilà. Et puis je vais voir. Donc là, je vais m'installer, préparer toutes mes petites affaires dont j'aurai besoin. Et puis on va commencer la carte. À tout de suite. Donc voilà. Je suis prête. Alors, comme je vous disais, on va le faire avec ça. Donc mon rond est déjà coupé. Hein, de toute façon, là, comme c'est avec un... Comment là, j'ai perdu. Je commence déjà à perdre mes mots. Ça commence. Un couvercle de... Un opercule de peau de crème fraîche. J'ai juste fait hors caméra le diamètre. Voilà, vous voyez, le diamètre est bon. Alors, j'ai déjà mon encadrement est prêt. Donc, j'en ai fait 3. Voilà, maintenant, vous savez comment je l'ai fait. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, avec un grand cercle et la taille juste en dessous. Vous les fixez avec du washi. Hein, l'un à côté de l'autre, et comme ça, ça vous, quand vous faites la découpe, ça vous obtenez ces bordures, et bien sûr, vous avez aussi le rond, hein, que, mais ça, vous ne le jetez pas, hein, ça peut vous servir pour une autre création. Voilà, donc vous faites ça si vous voulez faire des encadrements carrés, des ronds, n'importe quel encadrement, même en forme d'étoile si vous le souhaitez. Vous pouvez faire vos encadrements toujours comme ça. Voilà, vous prenez toujours un grand et la taille juste en dessous et vous aurez votre encadrement comme ceci. Donc là, j'en ai fait 3. Vous pouvez faire, vous pouvez en faire 3, 4, 5, 6. Bon, après, au-dessus de 6, ça fait beaucoup trop épais, hein, je trouve. Enfin, pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop épais. 3, c'est bien. En dessous, en faire que 2, je trouve que c'est pas assez, bien sûr. Mais 3, moi, je trouve que c'est déjà bien. Et vous pouvez faire jusqu'à 6. Jusqu'à 6, ça vous permet, par exemple, aussi, si vous voulez faire un... Avec un shaker, pour faire un shaker, c'est pas mal. Je vous en ferai un, ça, de shaker, si vous ne savez pas comment on fait. Voilà, donc, je prends ma carte 15-15. Hein. Aujourd'hui, je vais utiliser du 15-15. Donc, je vous remontre la Gorgus que j'ai choisie. Voilà. Donc, le fond, ça va être comme ça, avec des papillons. J'ai les petites étiquettes, donc une grande de la couleur des encadrements et une blanche qui va venir sur le dessus, fait avec, donc c'est fait avec du cardstock. C'est des cardstock comme ça, hein, voilà, les brillants, donc ils vont venir se poser l'un sur l'autre avec du 3D, voilà, comme ceci. Du double face 3D. J'ai pris un dies papillon. Voilà, bah pour rappeler le fond. Je vais mettre un petit papillon. Et je vais mettre bah, un sentiment.
Donc, ce sera le joyeux anniversaire. Donc, avec les stickers peel off, voilà. Je vous remettrai en barre d'infos les boutiques, où vous, enfin, certaines boutiques que vous pouvez en trouver. Hein. Voilà. Et je vais utiliser donc ce bloc-là pour faire mon papillon. Je vais le faire en argenté, le papillon. Voilà. Donc, je vais prendre, choisir la feuille déjà. On va prendre un argenté brillant. Ouais, je vais prendre celui-là. Ah, ça, c'est un peu plus mat. Alors, attendez. Moi, je le fais en, un peu plus mat. Oui, je vais le faire plus mat. Ouais, je vais le faire en un peu plus mat. Parce que... Bon, je vais faire les deux. Je verrai celui qui va le mieux. De toute façon, les papillons, moi, je m'en sers toujours. Donc, il ne sera pas perdu. Donc, je vais déjà découper mon papillon. Alors, je vois qu'il y a encore du papier dans le papillon. Je prends ma grande aiguille. Une très vieille, vieille, vieille aiguille, ça, vous voyez. Je ne sais plus à quoi servait, mais c'est une vieille aiguille que j'ai eue chez une dame dont je m'occupais, qui était malheureusement partie définitivement. Une dame à qui j'ai fermé les yeux. Et sa fille m'avait, quand elle a trié la maison, elle m'avait donné beaucoup de matériel de couture, tout ça, qui appartenait à sa maman. Et des aiguilles, beaucoup d'aiguilles à tricoter et tout. Et donc ça, je l'ai eu. Je pense que c'est une aiguille à tricot. Vu la grandeur, je ne sais pas exactement. Mais du coup, elle me sert bien. Et ça fait des souvenirs. C'est quand j'étais encore... Bon, maintenant, je ne travaille plus hein, avec mon invalidité. Mais c'est quand j'étais encore donc auxiliaire de vie. Allez, on va découper le papillon. Encore une fois pour être sûr qu'il soit bien découpé. Mais ce dice là il coupe bien. Je sais plus non plus où je l'ai eu. J'ai tellement de dice que des fois je sais plus où je les ai eus. Voilà, en plus il est super beau celui-là, voyez. Donc, je vais le couper dans ce papier-là et je vais le couper dans l'autre papier. Et je verrai lequel des deux je mets. Vous voyez, dans le très brillant. Coucou, vous me voyez dans le papier. Allez, on coupe. Ah, ce matin, j'ai fait mon jardin. Donc là, c'est pour ça exceptionnel. Souvent, je vous fais les vidéos le matin. Et là, donc, du coup, exceptionnellement, je vous fais la vidéo après-midi. Souvent, l'après-midi, c'est le moment du... Comment ? De faire mon diamond painting. Voilà. Je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc, je vais voir lequel je vais mettre. Peut-être que je vais mettre les deux, hein, vous savez. Vous savez comment je suis. Allez, on va ramasser les petits morceaux. Hop.
dans la poubelle. Dans la poubelle à papier. Donc voilà. Bon, normalement, la Big Shot, j'en ai plus besoin. Donc je vais la mettre sur le côté. La petite brosse non plus. Mon aiguille non plus. Surtout pas la perdre. J'y tiens. Donc voilà. Je vais prendre ma carte. Alors, pas me mettre hors champ parce que je suis désolée. C'est vrai qu'on m'avait fait la remarque gentiment. Hein, je vous rassure, on m'a fait la remarque gentiment, mais c'est normal. Quand quelque chose qui ne va pas sur une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'étais un peu hors champ, un peu beaucoup hors champ la dernière vidéo. Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait attention. Alors, je vais d'abord coller, m'occuper de mon encadrement. Donc, coller mes épaisseurs. Donc, j'ai pris cette... Oh, viens là. J'ai pris cette colle-là. Bon, en ce moment, elle me va bien. Faire juste attention parce qu'elle coule vite, celle-là. C'est celle d'action. Hein. Je commence à mettre une épaisseur dessus. Voilà. On va mettre la troisième. Ah, je croyais qu'il ne voulait plus couler. Voilà. Je passe comme ça pour être sûr que tout l'encadrement est bien mis. Et donc là, il va falloir que je le colle sur le... sur l'alu. Donc on va mettre la colle sur le derrière de l'encadrement. Voilà. Là, il va falloir attendre que ça sèche. Et... On n'a pas peur d'appuyer sur les bords, hein, pas là-dessus. Hein, surtout, on n'appuie pas là parce que sinon vous allez écraser vos papillons. Mais sur les bords. Et on le laisse de côté un petit peu pour le temps que ça colle. Donc en attendant, je vais m'occuper de mes étiquettes. Voilà. Donc je vais prendre ma pince
pour... Et je vais reprendre mon aiguille. Voilà. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Et je vais mettre mon sticker sur le blanc. Voilà, vous voyez. Donc, on vise le milieu, hein. Et on n'appuie pas tout de suite dessus, hein. Ça, chaque fois, je vous le dis. Mais c'est pour être comme ça, une fois qu'on est sûr que le mot est bien placé. Là, après, on peut appuyer pour finir de le coller. Donc là, j'ai pris argenté, hein, puisque le couvercle... Il y a un cheveu. Voilà, je perds mes cheveux. puisque le couvercle que j'ai utilisé pour faire le fond est argenté. Attendez, hop, je regarde que c'est droit. Oui. Donc maintenant, je peux appuyer pour le finir de le coller. Voilà. Donc, là, je vais mettre du 3D derrière. Voilà. Et celui-là, pareil, je vais mettre du 3D. Alors, par contre, là, on va peut-être devoir remettre une épaisseur. On va vérifier après, hein. Voilà, ça fera ça. Donc, ce que là, après, moi, je mettrai deux petites perles pour faire croire qu'il y a deux petits rivets. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, avant de mettre votre 3D, c'est mettre des petites attaches parisiennes, des petits brades. Voilà, que vous repliez sur, sur l'envers. Et après, vous mettez votre 3D. Voilà, ça vous fait des petits... comme si vous aviez mis des petites attaches. Donc, ici, je pense que c'est collé maintenant. Donc, là, je vais mettre du double face. En espérant que ça va bien coller, parce que ça, c'est... que c'est quand même comme il y a une pellicule hein, dessus de plastique, donc je vais en mettre bien là. Je le mets pas en 3D, c'est pour pas qu'on voit le couvercle. Si vous avez envie de le faire en 3D, vous le faites, hein. Mais moi là, j'ai pas envie. Voilà. Pas appuyer trop pour pas écraser les papillons toujours.
Voilà. Donc, il va falloir mettre bien au centre. Alors, vous pouvez, si vous avez envie de décentrer complètement, vous pouvez, mais là, bon, on va le mettre ici. Alors, ça, comme on ne peut pas appuyer trop. Voilà. Parce que là, c'est quand même un alu qui est quand même assez fragile. L'alu est toujours fragile, hein, de toute façon. Voilà. Et le dernier. Donc, bon, si vous savez pas, on n'avait pas le compas dans l'œil, vous pouvez faire des marques au crayon gris. Voilà. Donc, avant, on va s'occuper de notre petite Gorgus qui va venir ici. Alors. J'essaye de repérer où je mets de la colle. Mince. Je suis en train de tirer la rallonge. Je peux lui mettre un papillon hein, dans les cheveux. Ah, il reste un. Non, je commence à regarder où est-ce que je vais mettre mon papillon, si j'en mets un, si j'en mets deux. Bon, on va voir. Donc, ici. Donc là, il faut que je remette une petite épaisseur. Où je l'ai mis, là-bas. Oh, mon Dieu, j'envole tout. Donc ça, cette épaisseur, c'est pour... parce que comme là, il y a une épaisseur.
pour rattraper le décalage. Ah. Voilà. Et maintenant, donc, je peux mettre celle-ci. À l'endroit, si possible. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de nos petits papillons avant de faire le reste. Alors, du coup, je pense que je vais mettre les deux. Je pense que je mets les deux. Là, ça va trop sortir de l'enveloppe, enfin de la carte. Un ici. Alors, un petit carré 3D. Que je recoupe un tout petit peu. Voilà. Et mon deuxième, lui, va aller ici. Du coup, j'aurais mis les deux. Alors, pareil, on va le recouper un petit peu, puisque de toute façon, c'est le même, hein. Voilà. Voilà.
Donc, maintenant, des petites perles. Alors, qu'est-ce qu'on va leur mettre? Ah, j'ai perdu ma perle. Non, elle est là. Hop, il y en a, toi. Voilà. Et bon, on va en mettre la petite Gorgus, hein. Comme ça, elle sera toute mignonne. Dans ses cheveux. Ah, sur son petit nœud là. Donc là, on va lui en mettre une plus grosse. Et donc, j'avais dit ici, alors je peux mettre des roses pâles ou des à la bonne place. Ah bah alors j'arrive pas à le mettre à la bonne place. Voilà. J'habille ma petite Gorgus. Bon, ben je pense que ça doit aller là. Ah, je l'ai pas fait en pupitre. Mince, je l'ai fait comme ça. Bon, bah tant pis, ça fait rien. D'habitude, je fais en pupitre, mais là, j'ai oublié. C'est rien, c'est rien. Voilà. Donc voilà, ma petite carte avec ma Gorgus. Et du coup, comme ça, vous avez pu voir comment j'ai utilisé, je vous remontre,
mon couvercle de crème fraîche, hein, que l'on avait passé au classeur d'embossage. Donc, le classeur, est-ce que je l'ai sous la main? Mais je pense que je l'ai rangé. Ouais, je l'ai rangé. Ben, donc, de toute façon, vous voyez, c'est un classeur d'embossage avec des papillons. Voilà. Donc, on a passé à la Big Shot. Là, voilà, comme ça, j'ai utilisé la petite Gorgus que Laurence m'a envoyée. Donc, une petite carte joyeux anniversaire. Les petits papillons, hein, que j'adore. J'adore les papillons. Hein. Ça, comme on sait sûrement le savoir aussi. Donc, c'est tout mignon pour une petite fille. Donc, voilà. Je vais changer le téléphone de place pour vous faire un coucou. Et puis, je vous remontre la carte en même temps. À tout de suite. Donc, voilà notre petite carte Gorgus avec ses petits papillons, son joyeux anniversaire. Et donc, son fond fait ici avec le couvercle de pot de crème fraîche. Voilà. Donc, ça nous fait encore une carte spéciale confinement et on fait avec ce qu'on a sous la main. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah Laurence, encore merci pour tes Gorgus. Bah écoute, j'espère que tu aimeras ce que j'ai fait déjà de celle-ci. Je vais voir après avec les autres, hein, de toute façon, un petit peu à la fois. En tout cas, encore un grand, grand merci. Hein, je les adore. Elles sont super belles. Et là, moi, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Donc, je dis, pour une petite fille, c'est vraiment très, très, très mignon. Voilà. Bon, je me fais des compliments, hein, moi. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Au moins, en me faisant des compliments, je suis tranquille. Voilà. bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur ce tuto, enfin, c'était un tuto rapide aujourd'hui. Mais si vous avez des questions sur ce tuto de cartes, n'hésitez pas à me demander en dessous. En commentaire, hein, j'y répondrai comme d'habitude, hein, rapidement. Bon, malgré qu'en ce moment, je suis un peu moins rapide sur les commentaires, mais je rattrape toujours mon retard. Hein. Là, d'ailleurs, je crois que j'ai dû le rattraper, mais je vais regarder après en descendant. Mais de toute façon, là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de commentaires. je sais pas, vous êtes tous au jardin aussi, en train de jardiner, ou bon... Mais bon, ça se comprend. Hein. En ce moment, on n'a pas trop non plus la tête à comment ? Un petit point de colle. On n'a pas toute la tête non plus à être dans les vidéos, être voilà. Mais bon. Mais ça vous change les idées. Venez voir les vidéos, ça vous change. Mon Dieu, excusez-moi. Je vous ai fait tomber. Vous n'avez pas eu mal ? Non ? Allez, je vous laisse. Maintenant, je vais redescendre parce que là, comme vous voyez, je suis dans mon atelier. Tiens, j'en profite pour vous montrer si j'y arrive. Alors, attendez, je vais essayer. Voilà, vous voyez, sur mon lit. Hop. Là, ah, je vais arriver à le montrer, mon lit. Voilà, là, il y a un DP. Là, voilà, voilà. Il y a tous les épées, voilà, qu'on a fait et qui attendent d'être encadrés. Et j'en ai également ici, là, juste là en dessous. Mais il y a un papier qui est protège, là. C'est les petits que j'ai fait de la boutique Mes Petits Diams. Donc, qui attendent aussi pour être encadrés. Voilà, du coup, ils sont tous... arrivé dans ma chambre, enfin dans ma chambre, c'est pas ma chambre, c'est mon atelier, atelier-chambre, puisqu'il y a un lit pour les petits quand ils viennent dormir. Bon, en ce moment, ils ne viennent pas dormir, hein, malheureusement. Mais du coup, les DP sont là. Là, mon mari est en train de finir, il est déjà arrivé, presque à la fin de celui qu'il est en train de faire avec les chats. Donc demain, je vais vous filmer. Je pense demain
Demain ou après-demain, je vais voir ça avec lui, puisqu'il arrive à la fin. Moi, j'arrive... Pardon. Moi, j'arrive à la fin aussi de mon Johnny Hallyday. Donc là, on va être en panne de DP. Ben, on verra bien, parce que là, moi, j'en ai un qui est sur la route. C'est un pour un parrainage, un partenariat, pardon. Bon, c'est pareil. Qui est sur la route depuis le 31 mars. Donc, la Poste l'a pris en charge le 31 mars en France. On est le 9. Il n'est pas encore arrivé chez moi. Là, j'en ai un autre qui va arriver aussi pour un, pareil, un partenariat. Et grande nouvelle, donc pour le concours, de, mais bon, je ne dis pas de date parce que faut que j'attende que ça arrive hein, par la poste. Pourquoi ma batterie, elle ne veut pas se charger ? Ah bah oui, bébête. Vous savez ce que j'ai fait ? J'avais mis mon câble parce que je n'avais pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. J'ai dit comme ça, je vais pour filmer, je n'aurai pas de coupure. Et là, je viens d'avoir une notification, votre batterie, il reste 10%. J'ai dit, c'est bizarre, j'ai mis mon câble. Mais oui, mais je n'ai pas appuyé sur le bouton de la rallonge. Donc, ça ne pouvait pas charger. Je vous jure. Bon. ouais, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je ne peux pas vous donner de date parce que, bah, du coup, vu les temps de livraison qui sont inconnus, je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir les DP, mais pour le prochain concours de Diamond Painting que je vais faire sur ma chaîne, donc il y aura 2 DP. À gagner, voilà, un d'une boutique que j'ai qui m'a déjà fait des est-ce qu'il m'avait déjà offert un kit pour un concours, je sais plus, oui je crois que c'est eux, je sais plus, non c'est pas eux, oh, je sais plus. Bon, enfin soit, mais c'est une boutique qui m'a déjà donné plusieurs kits pour du partenariat. Et il y a également la boutique Mes Petits Diams, voilà, qui sera partenaire également dans mon concours. Voilà. Donc vous aurez 2 kits pour le concours. Mais je ne peux pas vous donner de date. Le concours arrivera sur la chaîne. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une annonce. Dès que, bah, de toute façon, dès que les kits sont chez moi, voilà, au moins ce sera plus sûr. Dès que les kits sont chez moi, je vous préviens et puis je ferai une vidéo pour annoncer le concours. Et là, vous pourrez vous inscrire comme d'habitude. Voilà. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais maintenant, c'est sûr, il y aura un concours. Enfin ! Youpi ! pareil, je vous ferai une créa là ce mois-ci. J'avais dit que j'en ferai une tous les mois, mais bon, le mois de mars, j'en ai pas fait. Non. Je vous en ferai une ce mois-ci. Je ferai un tuto avec une création et également que je vous ferai gagner. Bon, mais je verrai quand je vais faire ça. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Il faut tout gérer. Bon, malgré que moi, j'ai pas beaucoup plus de choses à gérer, mais je veux dire, voilà. C'est qu'il y a maintenant le jardinage en plus à gérer, surtout. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. D'ailleurs, tiens, je vous mettrai une photo dans la communauté tout à l'heure. Ben, déjà, quand vous regarderez la vidéo, la photo aura déjà été mise avant. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas encore vue... Vous irez voir dans la communauté, j'aurais mis une photo, je vais faire une photo, parce que sur la communauté, on ne peut mettre qu'une photo à la fois, donc je vais faire un montage, et de ce que j'ai fait ce matin au jardin, voilà.
Comme ça, vous le verrez. Allez, maintenant, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la carte en commentaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, et puis, plein de petits pouces bleus. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Surtout, prenez bien soin de vous, de vos proches. Faites bien attention. Ne sortez que si vous en avez vraiment besoin. Hein, n'allez pas faire les fous au bord du canal, au bord de la mer, au bord de je ne sais quoi. Hein, vous avez... Il n'y a pas besoin en ce moment. Hein. Soyez patients. On sera libérés, délivrés. On pourra le chanter bientôt. Enfin, il faut l'espérer. Mais bon, surtout, faites pas de bêtises. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous aime tous.